Et allez, boum, le compte s'élève, commande à droite, on se remet bravo, commande à gauche, à gauche, à gauche, bravo. Et tempo. Ok, donc là, ta commande dans la ressource, t'as vu, elle est presque tellement importante que ça recommence à faire tourner la voile. Fais quart de tour à droite vers la carrière. Alors, remets-toi cap sur la carrière. Voilà, donc la mise en 3-6, le contre, ils sont efficaces, c'est nickel. Bon, on va juste essayer d'être un peu plus précis sur notre réaxage pour vraiment avoir un mouvement bien de tangage. Allez, on est parti quand tu veux à nouveau. Ah, on va chercher notre vitesse. Allez, encore, 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 encore. Plus, 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 plus. Allez, compte scellé de commande à gauche. On remet de la commande à droite. Bravo. Et tempo. Ouais, nickel. Ah, donc là, t'as vu, on a un 3-6 qui est moins important qu'avant. Remets-toi cap sur la carrière. Et du coup, bah forcément, notre contre, il est très efficace. Donc, faut faire attention à pas le maintenir trop longtemps. Si on a moins de vitesse, forcément, il y a moins de contre à faire. Fais attention à l'autre voile, là, la bleue, verte, orange. Je vois pas bien où il est placé par rapport à toi. Ok, eh ben, on est reparti, du coup, mais ce coup-ci, sur de la dissipée. Donc, on va aller chercher le 3-6, contrer, et tout de suite après, se remettre dans la sellette et de la commande pour accompagner notre sortie. Allez, c'est quand tu veux. On va chercher de la vitesse, encore, 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 encore. Boum, un petit contre et on réaccompagne tout de suite. On réaccompagne à gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Ok, bravo. Tempo. Ok, tu fais quart de tour à gauche, tu te remets cap sur le décollage. Donc on va essayer d'aller chercher des 3-6, tu vois, où on a un peu plus de vitesse. Essayer d'aller chercher un 3-6 un peu plus engagé. Allez, on est parti quand tu veux. Allez, on va chercher de la vitesse, encore, 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 encore. Contre, et on se remet à gauche tout de suite. On se remet à gauche tout de suite, et on accompagne. Ok. C'est pas mal, tu vois, on a déjà moins un gros mouvement de chandelle à dissiper. Il faudra essayer d'aller chercher un peu plus de vitesse pour que ça se fasse plus dans la fluidité. Eh ben écoute, si l'autre te gêne pas, on a le temps de faire un dernier prise de vitesse et après on s'arrêtera. Allez, on se fait une dernière entrée, mais sans aller chercher trop d'énergie. Allez, encore, 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 un peu plus. Tac, on se remet bravo et on dissipe. Alors, on remet à droite, à droite, à droite, à droite, à droite. Bravo. Tempo. Ok, je pense que tu vas pas chercher assez sur ton... Tu vois, faut vraiment aller chercher plus sur ton appui sellette et tout pour essayer d'accompagner ta sortie. Au niveau des sorties chandelles, de l'efficacité du contre, de la tempo, tout ça, on est au top. On se concentre sur notre approche. On est en légère brise venant du lac, donc on pose en PTU.